Est-ce que les artistes doivent s'engager En tout cas, ils ne doivent pas se, se soumettre à, à cette dictature de, de la pensée commune. Je crois qu'un artiste a vocation à exprimer librement ses positions. On voit en filigrane dans votre reportage à quel point la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art, de la musique pèse lourd. Parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, tout simplement parce que les contrats s'arrêtent immédiatement. Donc, on voit bien que la règle financière qui est imposée aujourd'hui aux États-Unis, dans la vie culturelle, elle pèse lourd. Malheureusement, nous le voyons aussi en France. Et le prix est extrêmement dur à payer pour les quelques artistes qui, eux, de bonne foi, je pense notamment à Bella Hadid, expriment un engagement qui est celui de leur vie, de leur famille, de leur histoire, et qui sont obligés de se renier en public. Dominique Villepin était chez nos confrères de quotidien, c'est sur TMC, et voici ce qu'il déclarait. Au départ, il parle des États-Unis et il dit, il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales. Cette domination, dit-il, empêche les gens d'exprimer leur soutien aux Palestiniens, victimes d'un effroyable nettoyage ethnique en direct. Il commente la situation américaine, selon lui, et il dit, c'est la même chose en France. Il dénonce la domination euh, de la finance juive sur les sociétés occidentales. À quel point la domination financière sur les médias Il dénonce la domination euh, de la finance juive sur les sociétés occidentales. Il considère euh, visiblement que euh, les Juifs, euh, et notamment aux États-Unis, euh, tiendraient euh, la finance et, à travers ça, contrôleraient euh, les médias et, et le monde du spectacle. On voit en filigrane dans votre reportage. À quel point la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art, de la musique, pèse lourd. Parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, tout simplement parce que les contrats s'arrêtent. Et le prix est extrêmement dur à payer pour les quelques artistes qui, eux, de bonne foi, je pense notamment à Bella Hadid, expriment un engagement qui est celui de leur vie, de leur famille, de leur histoire, et qui sont obligés de se renier en public. C'est une rhétorique antisémite est-ce que quand on parle d'un pardon, du raccourci, un petit arabe en banlieue en disant qu'il a des propos antisémites, c'est facile. Et là, on parle d'un ancien premier ministre de la France et on, on a du mal à comprendre ce qu'il veut vraiment, vraiment dire.